Tintin, 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 On est de retour avec les mêmes tenues que la semaine dernière, vous le remarquerez, c'est parce qu'on en profite, vu qu'on voit pas Mathieu souvent, on fait toutes les vidéos possibles avec lui. Et on a décidé de lui faire des petits soins de visage. On a acheté récemment des nouveaux produits sur Tester Korea. Grâce à vous, parce que c'est vous qui avez conseillé. Oui, et du coup bah voilà, on voulait montrer comme la dernière fois, on a fait un espèce de petit unboxing, enfin un truc bref. On a montré nos produits coréens qu'on avait achetés en Corée, là on les a commandés et on voulait un peu vous montrer ce qu'on avait acheté, voilà. Et donc on va tester ces produits sur Mathieu en faisant un peu un layering à la coréenne. Mmh. Chose qu'il n'a jamais fait, Mathieu, puisqu'il ne prend pas soin de sa peau. Et voilà, alors ça vous paraît un peu bizarre cette disposition, voilà, je suis habillée comme sur la petite scénette que vous avez peut-être vue au début. Peut-être pas, je ne sais pas. Demandera. Voilà, on a la table de massage. Ne me demandez pas pourquoi on a ça. Je ne sais pas. Et Mathieu, tu vas prendre place sur la fameuse table. Tu peux enlever ta veste, Mathieu. Ah, d'accord. Du coup. Je rentre en scène. Ok, toujours en sur le. Tu peux dire bonjour aussi, mais là ta tête ne se voit pas. Hello. Comme ça. Et c'est ici, elle n'est pas trop. Hein. Alors, du coup. Attends. On a fait les choses en grand. On va vous présenter chaque produit qu'on va acheter sur Tester Korea. Tester Korea. C'est pas sponsor évidemment. Si vous imaginez bien. Sinon on aurait acheté beaucoup plus de produits que ça. Clairement. Mais ça coûte quand même cher. Surtout que les frais de port sont très très chers. Ouais. On a fait une commande avec notre maman et on en a eu pour 9€ chacune. Ouais. Donc ça n'est pas ensemble. Non. Enfin genre on a divisé, tu vois. Ouais. On a divisé la deux commandes pour que ça soit moins cher, mais du coup les frais de port sont super chers. Donc voilà, la première chose qu'on fait nous en général quand on se nettoie le visage, enfin personnellement moi j'utilise un savon. Là j'ai pris celui qui est de Innisfree, c'est pour les pores, pore cleansing, enfin, vous savez mon problème avec les pores. Hein. Il est tout neuf, hein. Je viens de l'ouvrir. Mathieu, je vais ouvrir tous mes produits pour toi. Utiliser. Ah, franchement, t'as de la chance. Merci. Ouais. Alors je sais pas s'il y a des esthéticiennes qui sont abonnées à nous, mais quand elles vont voir ça, elles vont hurler genre. Lève juste ta tête. What? Attends. Oh. Niqué tout le savon que je viens de lui mettre. Voilà, parfait. On va te laver le visage. Thanks. Chose qu'il ne fait jamais. C'est si, pour la pâte. Si, je lave le visage. Avec de l'eau. Quoi? Avec de l'eau. Normal que t'aies la peau sèche, j'ai du calcaire dans l'eau. Ah, c'est vrai. Bah, Mathieu. C'est trop marrant ces os là, oh, c'est trop bizarre. J'avais touché un âge de cyprès. J'avais touché un visage aussi près, genre. Même le tien, j'ai jamais fait ça. Oui, c'est vrai, enfin, c'est un peu bizarre en même temps de faire ça comme ça. Voilà. Là, on a t'as bien. T'as fait le menton aussi. Bon, bien évidemment, tout le monde n'est pas obligé de faire ça comme ça. Hein. Normalement, nous, on a particulièrement le visage au-dessus du lavabo. Regarde comme ta peau, elle était sale. Regarde ça. Faut la laver plus souvent. Hein. C'est pas bien ça. En dessous du menton, c'est bon. Ouais. Ah, j'ai fait exprès pour aujourd'hui, tu vois. Je me suis sali le visage. Pendant que Lou elle est en train d'essuyer ça, moi je vous parle de la cleansing foam, c'est de la mousse nettoyante tout simplement, que j'ai acheté aussi chez Innisfree parce que j'aime trop cette marque. C'est donc Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. C'est du même truc que, ouais, la même série en gros que le savon juste avant utilisé. Et du coup, genre, je sais pas si vous utilisez de la mousse nettoyante pour votre visage ou pas, mais ce qui est cool en Corée, c'est vraiment qu'on utilise vraiment, mais juste
un tout petit peu et ça mousse de ouf. On dirait pas comme dans un téléachat. Ouais, c'est de ouf. Ok. Hop, ça, ça suffit. Hein. Pour tout votre visage, ça là, ce que j'ai sur mon doigt, ça suffit largement. Je te mets sur le front, c'est la plus grosse partie de son corps. Ah d'accord, c'est une information à prendre ou à laisser. Et sent bon un truc. Tout sent bon Mathieu. On sent déjà que t'as la peau plus douce, tu vois. Faut bien faire le nez. Le nez c'est un endroit à problème en général chez les gens. Ça, moi je le fais juste le soir perso, le soir. Je le fais pas matin et soir parce que j'ai la peau sensible quand même. Ok, rince. File. On le laisse comme ça. Hop, hop là. C'est quoi cette pomme d'Adam là? Ça fait peur. Mais vous l'avez déjà vu. Mais elle est trop prognate. Vous étouffez pas votre client. Regarde comme t'as la peau. Aïe. Ça c'est bien ça. Ouais. Donc après, toujours de la même série, moi j'utilise le toner Innisfree. Jeju Volcanic Pore Cleansing comme d'hab. Le toner a été appliqué avant les masques du coup. Ouais. Ou alors si vous mettez, enfin si vous faites pas de masque, vous mettez avant le sérum. Ouais. Mais en gros ça vous lave une dernière fois le visage de toutes les impuretés. Par contre là je touche trop tes lèvres, ça me stresse. Si genre, je le fais. On n'est pas aussi proche que ça toi et moi. T'es en institut ou t'es pas en institut? Je te jure. Non ça va, je me contrôle. Tu touches pas tes lèvres, tu touches son menton là. Bouge pas. C'est pas possible ça hein. Ouvre un peu tes lèvres, enfin genre pas ouvrir. Voilà. C'est bien comme ça. Ça va pas s'enlever mec. Bah remets-en un peu. Attends tiens, bon, essaye d'ouvrir ça là. Ouais parce que ça me stresse trop. C'est des lèvres hein, c'est pas un cul hein. Ouais les mêmes. T'es pas en train de lui piler le cul. Ouais les mêmes. Regarde cette tête. Ouvre un peu tes lèvres. Je le fais. Vas-y tu peux. Donc ça c'est quoi ça? C'est du toner. Donc ça c'est du toner. Moi je l'applique comme ça. Après il y en a, ils l'appliquent sur un coton et ils le mettent sur leur visage. Moi je préfère faire c'est, comme ça. C'est plus indélébile, mais on a mis partout. Bah oui mais là je le fais pas sur mon visage donc c'est un peu compliqué. Et on fait pénétrer en tapotant. Ça pénètre mieux quand tu tapotes sur ton visage. On va laisser reposer ta peau un petit peu. Masque. C'est un masque Baraboni qu'on a acheté en Corée vraiment pas cher de toute notre série de masques qu'on a. C'est à l'aloe vera donc c'est super hydratant, donc c'est super cool. Comme ça ta peau sera bien hydratée. Ouais, okay. Surtout que toi t'as la peau sèche donc c'est bien. Je me suis dit je prends un aloe parce que t'as pas de problème de peur ou quoi donc... C'est donc, froid? Ça va être un peu froid. Ok. T'es prêt? Vas-y. C'est froid? Ou j'avoue mais il est dans le frigo ou quoi? Bah non il était dans ma chambre. Ah ça me paraît au final. Il a un visage trop grand. Ouais. Un peu ouais. Mais non, ça remonte. Franchement, faut trop être pote avec nous parce que il se passe plein de choses quand on tourne avec nous. On fait toujours des vidéos, what the fuck, genre, dernière minute. Il reste toujours du liquide dans les sachets, moi je le remets perso, je le remets sur le masque pour qu'il y ait un peu plus de produit. Ou alors je le mets dans mon cou, parce que votre cou il est jamais assez hydraté. Donc, non, on peut le tuer. Voilà, maintenant on va attendre 15 à 20 minutes. C'est bon là, je peux l'enlever? On a vraiment attendu 15 minutes. Hein. Et donc, maintenant que vous avez genre un excès de produit sur la peau, et comme avant avec le toner, on tapote jusqu'à ce que ça rentre bien dans la peau. Putain, si tu prenais soin de ta peau, elle serait tellement parfaite. Non mais touche, c'est vraiment très bizarre. Bah c'est un os quoi. C'est un os? Bah en fait ça peut être quoi d'autre si c'est pas un os? Non c'est vrai c'est un os. Si j'avais dit ça fait mal du coup. Bah ouais. Ok. J'ai pas pu alors. Parce que c'était un buzzer ou quoi? Non mais vraiment le tien on pourrait croire que c'est un buzzer, je suis désolée. Donc maintenant après le masque, donc vous tapotez truc truc, vous attendez un peu que votre peau elle sèche parce que sinon ça sera hyper collant, c'est un peu chiant. Et je crois que je l'avais déjà présenté dans la vidéo d'avant, mais c'est un sérum de It Skin, le VC Effector. Et du coup ouais, voilà. C'est un sérum quoi. C'est pas obligatoire mais on aime bien les sérums. Celui-là il est pour illuminer le visage.
Donc ça va te donner un petit glow naturel. Voilà. Ok. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, parce que déjà que les pots ils sont petits et que vous les utilisez très très vite si vous en mettez souvent. Genre là, mettez-en 4 gouttes sur votre visage et puis après vous n'êtes pas les potos. C'est pas mon concentré. Ça sent. Les agrumes, ok. Donc, ah ouais, celle-là aussi, je crois que je l'ai déjà présentée. Je l'ai rachetée parce que je l'aime bien. C'est une crème de Farmstay au caviar et c'est pour hydrater aussi. Tous les produits viennent de tester coréen. Vous n'avez pas demandé où vous le faites. Ah, c'est coréen. Ouais, c'est coréen. Donc là aussi, pas besoin de mettre masse crème. Hein, vous en mettez un tout petit peu là sur les grosses parties de votre visage et puis, et puis après vous étalez un peu et vous tapotez. Ça sent bon le caviar. C'est une caviar. En vrai, tu sais que les crèmes qui ont un parfum, c'est pas forcément des bonnes crèmes. Parce que le mieux, c'est quand il y a zéro parfum. Ouais, j'avoue. Mais bon, ça reste quand même des bonnes crèmes. Là, j'ai une petite crème pour les yeux. Il y a un escargot dessus, je peux pas vous dire la marque, mais je l'ai acheté genre 3€ et il me fallait une crème. Elle est vraiment bien pleine en plus. Donc, je l'ai pas encore testée, on va voir. Hein. Bon, si ça te pique, tu cries, je dis. Aïe. Et ça à quoi là? Et ça, vraiment la crème pour les yeux, par contre, tapoter en dessous de vos paupières parce que ça fait circuler le sang. Du coup, c'est bien pour les ceux qui ont des cernes. La chaîne, elle s'est transformée en chaîne de YouTubeuse beauté. Institut beauté, mais. Et là, on finit par Lip Sleeping Mask. Vous pouvez le mettre en. Celui-là, j'en ai parlé aussi. Ouais. Vous pouvez le mettre en masque ou en juste en baume pour les lèvres. Et du coup, lui, comme il prend pas soin de ses lèvres, là, il sait pas ce que c'est le baume à lèvres, le labello là. On va lui en mettre une grosse couche. C'est pas bien. À quoi tu vas ressembler quand tu vas être tout vieux là? Ça va bien. Je t'en mets une grosse couche parce que tes lèvres sont vraiment sèches. Hein. Vas-y, tu peux. J'ai envie de l'arracher comme ça là. On est bon là? On est done. T'es tout frais? Ah! C'était stylé. Regardez-moi cette belle peau. Regarde comme ça brille! C'est tout nouveau en plus. Comme tu. J'ai envie de mettre du l'aérateur là. Comme il brille. Et j'avoue que là, et franchement, sa peau elle est trop douce, c'est abusé. Ah, c'est vrai. Et vous, ça le fait pas après vos produits là? Si, si. Bah, c'est voilà. Non, mais c'est bizarre de toucher la peau de quelqu'un. Non, mais parce que. Ouais, et puis toi, vraiment, à la base, t'as vraiment la peau sèche de ouf. Ouais. Ouais. Non, là, c'est bien. Hein. Tu le sens ou pas? Ouais. Merci, l'institut, mais. On fait quoi là? La vidéo est maintenant terminée. Vous avez maintenant tous les secrets des étapes du layering coréen. Pas vraiment non plus parfaitement, mais à peu près ce que nous on fait sur notre peau, ce qu'on a fait chez Mathieu qui marche très très bien, que tout le monde devrait faire pour prendre soin de sa peau. Mmh. Voilà, vous pouvez suivre Mathieu sur son Instagram, on le mettra ici ou là, sur le nôtre aussi, Twitter, Instagram, pareil. N'hésitez pas à venir nous voir sur nos réseaux. Merci d'avoir assisté à cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, c'est très bien. On se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine parce qu'on sait pas quel jour on va poster cette vidéo. Ouais. La bise.